trop chou ce genre de tweet, ça me réconcilierait presque avec Twitter. Non, je sais qu'il y en a qui sont un petit peu surpris en ce moment que je fasse autant de collabs, mais vous le savez, c'est toujours des collabs de qualité. C'est vrai qu'à l'approche des fêtes, je reçois beaucoup, beaucoup de messages de personnes qui me demandent des idées de cadeaux, des codes promo. Donc j'essaye vraiment de faire plaisir et de vous avoir des avantages. Je vais faire aussi des petits concours où vous allez pouvoir gagner, enfin des gros concours même, vous allez pouvoir gagner plein de cadeaux. C'est la période des fêtes, rassurez-vous, ça sera pas comme ça toute l'année. Vous savez que je suis très sélectif dans le choix des marques avec lesquelles je collabore. Mais c'est vrai qu'en ce moment, voilà, c'est un petit peu particulier. On a tous été confinés, donc j'ai essayé de vous avoir des bons plans. Et j'espère que ça vous va et que ça vous saoule pas trop parce qu'encore une fois, je fais super attention aux marques et aux produits que je vous propose. Et vous le savez qu'avec moi, il n'y a jamais d'arnaque et que je fais vraiment hyper gaffe à pas vous décevoir. Bon allez, c'est reparti, je vais me peser, ça fait exactement 17 jours que je ne me suis pas pesée. J'ai l'impression que ce rééquilibrage alimentaire fonctionne plutôt bien puisque j'ai l'impression que là, il y a de moins en moins de ventre et de poignées d'amour, mais on va découvrir ça tout de suite. Donc il y a 17 jours, mon dernier poids était de 74,2 kg, je ne me suis pas repesée depuis. On va donc voir ça maintenant, suspense. Donc comme d'habitude, je vais utiliser ma balance FitTrack. J'en profite pour vous donner le bon plan pour ceux qui n'ont pas encore la balance. Il y a déjà plein d'offres pour le Black Friday sur le site. Avec mon code, vous allez pouvoir cumuler 20% de réduction supplémentaire. Et suspense, 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 nous sommes à 73 kilos! Donc vous voyez, mon poids s'est automatiquement mis à jour sur l'application puisque la balance est connectée directement au téléphone et à l'appli. Bravo mon GG! Écoutez, je m'encourage, c'est important de s'encourager. 73 kilos, j'ai encore perdu plus d'un kilo et demi. Trop content, ce rééquilibrage alimentaire fonctionne à merveille. Bravo GG! Donc vous voyez sur l'application, vous avez un suivi de votre poids pesé après pesé. Ça vous permet vraiment de suivre tout ça. Mais surtout, ça c'est hyper important, vous avez un certain nombre d'autres indicateurs qui sont, j'ai envie de vous dire, plus importants même que le poids, puisqu'on va pouvoir donc vérifier son IMC. On va pouvoir vérifier son taux musculaire. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas forcément envie de perdre du poids, mais plutôt de gagner en muscle. Et on va pouvoir vérifier, entre autres, le taux d'hydratation de son corps. Vraiment des éléments hyper importants. Attention, les pucerons, l'offre n'est valable que 24 heures. Vous êtes hyper nombreux au quotidien à m'envoyer à chaque fois des messages pour savoir le code. C'est maintenant ou jamais qu'il faut en profiter. C'est le tarif le plus intéressant de l'année. Donc clairement, c'est le moment. Et pour une idée de cadeau de Noël, vous avez en plus de la balance, la montre connectée, pareil, qui est reliée à l'application pour pouvoir analyser toutes vos données sportives, les battements de votre cœur, votre rythme cardiaque, tout. Je vais dire oui à tout ce que vous me demandez. Oh non, installe un jacuzzi dans ton salon. Non mais j'ai très peur, c'est solide au moins ici, c'est sûr ou pas? Qu'est-ce que je fais dans mon salon comme ça? Me faire un virement de 100 euros, je demande le RIB de gens que je connais pas. Ah, c'est les voisins, ils en ont ras-le-bol. On me donne des coups carrément au plafond pour me dire de fermer ma gueule, c'est tout le temps ça. Je fais du sport. T'as commencé à faire ces puces de plafond? Adopte un chien. J'ai l'impression d'être une pétasse avec son chien, tu sais. Genre, j'ai trop l'impression de m'appeler, je sais pas, Paola. Il est vraiment ultra star. Toquer chez une ou un voisin et demander un rouleau de papier toilette. Oh non, je suis vraiment désolé parce qu'en fait, j'ai la diarrhée. Merci beaucoup, du coup, je vais y aller parce que ça risque de couler. Appeler un numéro au hasard et dire que tu es Jérém Star. Jérém Star, créateur de contenu, ça vous intéresse pas de le connaître? Non. Ça vous fait plaisir de m'avoir en ligne? Franchement, sans plus. Mais ça joue à qui? Bah vous. Moi qui? Elle m'a dit quoi? T'as des jolies cuisses. C'est vrai? Et allez, aujourd'hui, c'est reparti pour un grand nettoyage des vitres. C'est trop cool parce que chez AC Pro, ils nettoient vraiment trop trop bien les vitres. En plus, c'est hyper rapide et à chaque fois, elles sont nickel. Ça me détend, moi, j'aimerais bien faire ça. Tout est propre, tout est nickel, ça glisse bien. Et mes beaux miroirs, avec ce cactus qui est toujours pas mort. Alors c'est vrai que c'est bien ces miroirs, mais alors entretenir, c'est une galère sans nom. Heureusement que vous êtes là. Hein. Ouais. Aujourd'hui, je vais vous donner 15 idées de cadeaux de Noël personnalisés pour faire plaisir à ceux que vous aimez. Bonsoir. Oh
my god, le Père Noël va passer. C'est l'heure que je révèle les gagnants de tous ces cadeaux-là que je porte actuellement dans les bras et qui menacent à tout moment de s'écrouler. Ça serait con avant que vous les receviez. J'aurais bien voulu tous vous faire gagner, mais bon. Alors tout d'abord, je voudrais remercier la marque Jus du cul qui m'a permis de réaliser ce concours et d'offrir tous ces jolis cadeaux. Vous voyez, Nintendo Switch, iPhone, enceinte JBL, AirPods, des jeux Jus du cul, enfin plein de cadeaux. Merci à eux. On commence par l'iPhone 12 mini, 64 gigas. C'est le tout nouveau et bravo à Célie Chou qui remporte cet iPhone. Joyeux Noël en avance, puceron. Bravo, tu as été tiré au sort. Cette fois-ci, c'est un garçon qui gagne l'enceinte JBL. Un grand bravo à toi, Jimmy. Tu vas pouvoir écouter plein de musique. Ça arrive dans ta boîte aux lettres très prochainement. La Nintendo Switch et son Ring Fit Aventure est remportée par Steve. Bravo, bravo. Ça, c'est un super cadeau. Je crois que c'était THE cadeau du concours. Et les AirPods sont remportés par un garçon. Il s'agit de Maïl. Bravo à toi. Tu vas recevoir dans quelques jours tes petits AirPods. C'est ça aussi, c'est un cadeau de ouf quand même quand on sait le prix de ces petits trucs. Là, c'est dingue. Et enfin, en lot de consolation, bravo aux 8 gagnants dont les noms s'affichent sur l'écran. Vous remportez tous les 8 un jeu du cul pour enflammer vos soirées. Croyez-moi, vous allez vraiment beaucoup rire. Voili voilou, j'aurais bien voulu vous faire gagner tous et toutes. Si je pouvais à tous vous offrir un cadeau, ça aurait été génial. Mais c'est la loi du tirage au sort. N'oubliez pas que 100% des gagnants ont participé. Donc j'espère qu'un jour, ce sera votre tour. En tout cas, bonne nouvelle, les cadeaux ne s'arrêtent pas. Demain, nouveau concours, nouveau cadeau. Il y aura 30 cadeaux à gagner. Je ne vous dis pas encore ce que c'est, mais ça va vous plaire parce que moi, ça me plaît beaucoup. Et pour ceux qui kiffent les jeux de société comme moi, c'est une petite idée de cadeau de Noël bien sympa. J'ai un petit code promo pour vous si jamais ça vous tente. Ça vous fait une petite réduction. Franchement, ça vaut le coup. N'hésitez pas, je vous mets le lien en swipe up. Il est valable sur tous les jeux. Jeux du cul. N'oubliez pas, rendez-vous à 21h ce soir, jeu de société en live, tous ensemble, on va bien rigoler. Je pense que ce live s'annonce dément. À tout à l'heure les loulous, soyez au rendez-vous. Alors bien sûr ça, là, les cartes que je viens de vous mettre, c'est la version hot, mais il y a d'autres versions. Vous avez le Vice Ultime qui est beaucoup plus fun, beaucoup plus été, tout ça. Et vous avez la version traditionnelle, normale. Il n'y a pas que des questions hot, rassurez-vous. Puce de plafond, bonne nouvelle ou pas pour mes voisins, j'ai rien. Les lives recommencent à 21h, je suis en live à 21h. J'ai donc écrit une petite affichette là que je vais aller mettre dans l'allée. Je pars tout de suite avec mon petit scotch licorne, j'ai rien. Je descends discrètement parce que je voudrais pas les croiser quoi. Ce serait dommage que les festivités prennent fin avant même qu'elles n'aient commencé, j'ai rien. Par contre on en parle là de cette lumière abjecte qui me fait des cernes, non mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Alors que je suis trop pas comme ça, quoi. Je vais aller afficher la petite affichette. Je suis quand même super poli, je trouve, et hyper respectueux, je préviens. Je suis en live. Je vais la mettre là, je pense. Hop. Sur le mur. Voilà, note. Je suis en live ce soir et je risque d'être bruyant. Ne pas s'inquiéter si vous entendez des hurlements et de la rigolade en pagaille. Votre voisin adoré ou pas. Je hurle.